Aujourd'hui, je vais me balader dans les bois. Alors suis-moi et je vais te montrer mes trois astuces pour éviter d'attraper des tiques. C'est parti! Ma première astuce, c'est ça, une potion magique anti-tiques. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment la préparer. Elle contient des huiles essentielles qui sont très fortes et qui permettent de garder les tiques à distance. C'est une lotion assez forte. Alors, appliquez uniquement sur les avant-bras et aussi sur les chevilles. Pour info, une tique peut vivre jusqu'à 6 ans. Dès que la température dépasse les 10 degrés, elle sort de l'hibernation. C'est pour ça qu'on peut aussi trouver des tiques en hiver. Une fois que tu t'es bien appliqué ma lotion magique, l'astuce que tout le monde connaît mais qui est une des plus efficaces, toujours avoir des chaussettes longues, ainsi tu pourras rentrer ton pantalon. C'est une manière très simple et très efficace. Essaye toujours de ne pas trop traîner les pieds dans les hautes herbes. Et si tu es en pleine forêt, essaie de trouver les zones dégagées, comme le font les animaux. Tu peux même suivre leur chemin. Et quand tu rentres de balade, contrôle-toi soigneusement, car plus une tique reste accrochée, plus tu as de chances d'attraper des maladies. Donc, pour la potion magique anti-tique, il vous faudra un peu d'huile végétale. Ici, j'utilise de l'huile de lin. Ensuite, ce qui va garder éloigné les tiques, ce sera de l'huile essentielle de arbre à thé et de l'huile essentielle de citronnelle. Pour la préparation, prenez un récipient avec un spray. Ensuite, remplissez le récipient jusqu'aux trois quarts. Ajoutez 40 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Et 40 gouttes également d'huile essentielle de citronnelle. Ensuite, refermez et mélangez-le. Voilà, votre potion magique anti-tique est prête. Si vous avez apprécié ma vidéo, pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines astuces. Et dites-moi en commentaire quelles sont les vôtres. Allez, ciao!